Bon, je sais pas si je suis prêt à vraiment encaisser ça, mais on va regarder, ça peut être drôle. Hey, c'est Touche, j'espère que vous allez bien. J'ai dit Touche. Bon, on va regarder une game en fer. C'est du fer 3, je crois. Bon, il doit y avoir, je sais pas combien c'est en moyenne, il doit y avoir des fer 4, fer 3, fer 2. C'est en fer en tout cas, c'est donc exceptionnel. Cette vidéo est exclusive, évidemment, c'est faux. Mais c'est quand même plutôt rare des gens en fer. Du coup, on va pouvoir observer un petit peu comment ça se passe, tout ça. Si vraiment on joue au même jeu, tout simplement. J'ai la chance d'avoir un collègue qui est en fer pour pouvoir obtenir des games assez facilement. Et donc, j'ai pris une game plutôt longue. On verra comment ça se passe. Un peu, on va survoler un petit peu partout en vrai. On va survoler un petit peu partout. On va laisser les items, tout ça. Et on va sûrement voir des petites dingueries lors des teamfights. À part la. Potentiellement Belvette au mid, il n'y a pas eu de pick troll ou juste exotique. Ok, bien tenté, dommage, il lui restait combien d'HP là? 12. Ah, le Q-spell. Oh le flash. Bon, je sais pas s'il avait besoin de flasher, mais bien joué à lui. Bon, ok, ça a un petit peu trollé à rester trop longtemps. Kayn a l'air d'être un petit peu vicieux. Est-ce qu'il va réussir à le choper? Je crois qu'il l'a pas. Non, il l'a pas eu. Mais il y a moi qui perds, donc il va juste se barrer. Ouais, il va juste se barrer tranquillement là. Il n'y a pas de problème. Le Trindos qui arrive à la rescousse. Allez Trindos, c'est ton moment. Oui Trindos. Allez Trindos. T'as mis ton ghost, fais quelque chose. Est-ce que ça tue? Ouais, s'il meurt, ça serait vraiment dommage. Ouais, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué ça. Le Kayn qui s'est fait punir. Bon, le ghost de Trindos était un peu douteux, mais au moins il a décalé l'instant, franchement, c'est vraiment incroyable. Ok, on est donc à 5 minutes de jeu, 1-1, pour l'instant rien de spécial, je suis assez surpris qu'il n'y ait pas déjà 40 morts, tout le monde qui se tape dessus, des ganks à gogo. Bon mid, il va y avoir un truc là, ça se regroupe, ça va se bagarre. Ok, ça dodge, ça touche. Ok, ça arrive derrière mais... ok, il se passe rien. Bon bah, on s'est regardé, on a eu un petit dodge de Belvette. Ok, c'est parti sur les Corbins, c'est autoritaire. On n'arrive pas trop à dodge. On a quand même des bons dégâts hein, finalement. Mais les Corbins font mal. Les Corbins font mal. Ils sont quoi en item? Ils ont pas encore acheté d'item les deux. Donc là, ils meurent. Hein. On est d'accord. Hein. Ouais. Belvette qui vient ramasse. Est-ce qu'on pourra? Ok, bien. On a une décale de Xerath. Mais qu'est-ce que tu fais là, Xerath? Retourne chez toi. Elle devrait agresser ou aller chercher le Xerath. Comme ils sont séparés, on va plutôt avoir peur. Ok, on est assez méfiant. On est vraiment assez méfiant du côté de la Kaisa. Hein? Ils est basé là. Attends, quoi? Mais Malphite. Ça touche en plus. Oh, le follow est lent. Il n'y a eu aucun ping. Ils ont été là. Oh, caillou! Oh, c'est terrifiant. Oh, ils y vont au mid. Hein. Bon, il y a eu un ping. On l'a vu sur un minimap. Bon, Belvette, elle peut pas trop décaler en vrai avec les tours et tout. Ok, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? On bot? Bah wesh. Oh, le bait. Mais il a plus de mana, le merde. T'es tout nu, frérot. Rentre chez toi, t'es tout nu. Bon, ouais, ça c'est compliqué. Ah, ils veulent jouer le direct là. Prépare le direct. Ok, il y a eu un all-in. Ouais. Bon, top. Sinon, top. Bah, top, hein, écoutez. Il y a du CIS, il y a 10 CS d'écart. Par contre, on est quand même à 9 minutes. Il y a 60 CS. C'est pas... Ok, c'est pas horrible. C'est pas fou. Hein. C'est pas fou fou, quoi. Ok, ça va jouer le deck. Ça se bat. Boum, boum, tout touche. Oh là là. Bon, le Kayn était tout seul. Hein. Le Kayn était tout seul. Hein. Et c'est Kayn qui a ping Emir. Ok. Il se fait permoping. En vrai, là, Kayn a quand même fait l'erreur de venir tout seul, tu vois. Faut être au courant quand tes alliés viennent ou pas. Voilà, flash out instant, ils ont tout raté. Ça touche Xerath. Oh, le R, il... Oh, le R. Oh, le R, il est parti dans l'espace, hein, les frérots. Il est dans le mur, là. Là, il va se transformer en mur, le vieux co. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, pour l'instant, c'est invade. Qu'est-ce qui se passe? Il gagne, là? Je sais pas s'il gagne. Oh, il y a une TP en plus. Ok. On voit la TP ici. Ils vont aller en haut. Oh là là. Le collapse. Boum. Bah, joue. Ok. En vrai, très bien joué de Malphite.
Malheureusement, il perd tout au top. Il n'y a pas eu de ping quoi, du coup, bah, forcément. C'est un peu compliqué à voir. Hein. On peut pas forcément le voir, même à plus haut et low, donc à faire. Ouais. En faire, c'est assez compliqué. Pas dessus, bien. Mais quoi? Mais quoi? Attends, mais là, on est d'accord que ça. Les deux ont flash pour rien. T'as Mafit qui flash Q. Pour aucune raison. Et flash out pour aucune raison. Je pense vraiment que c'est vraiment pour aucune raison. Après, il pensait peut-être qu'il avait son R. Ouais, c'est possible. C'est possible qu'elle ait cru qu'il avait son R et que ça, elle a été bait, tu vois. Bon, du coup, top, il s'est régalé en attendant. Il s'est mis plutôt bien. Quoi? Mais qu'est-ce que je regarde? On est à 12 minutes. Le train d'âne n'a même pas encore back. Bon, ok, en termes de CS, il s'est remis bien par contre. Non, c'est moi, il vient R, le Malphite, là. Non, 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 j'ai rien dit. Ok, du coup, on est retourné top, on essaye de punir. Mais tu m'étonnes que le train d'œil, il tue pas. Il achète pas d'item. Faut acheter, les gars, c'est important. Hein. C'est, ça fait partie du jeu. Regardez ce qu'il va acheter, là. Bon, faut acheter, monsieur. Monsieur. Il a quitté. Quoi? Deux glaives, mais ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce qu'il fout? Attendez, il se passe autre chose, là. J'ai raté. Ok, donc ça fait les râles tranquillement. On n'a pas le train d'op parce qu'il a déco. Du coup, là, c'est 3v2. C'est un peu compliqué. Elle est midlife, elle a Belvette. Oh, le flash est ok de la Belvette. Elle a réussi à flash le R. Bon, ici, c'est mort, je pense. Oh, c'est close, en vrai. Patate? Petite patate de l'Hérald, là? Ça aurait été drôle. Petite patate de l'Hérald. Ok. Malphite, il tue pas, là. Ouais, mais non, mais c'est quoi ce combat de golem? Jusque-là, tout va bien. Par contre, l'itemisation de Trindol est terrible. C'est passé mid. Ah, le niveau 10 à 8. Oh, ça touche. Ouais, c'est bon. Wouah, nombre de tourelles. En vrai, merde, c'est terrifiant. Je pense que j'ai jamais joué, mais c'est un des champions, je pense, les plus chill. T'es là. Bon, c'était sort, mais des tours. T'es bing. T'as tué bot? Faites voir. Et je veux tout savoir. Ok, ça a go in sur le pire timing. Il était là au bon moment. Oh, il sidestep. Je sais pas s'il était voulu. Ouais, le R. Quoi, le Viego, le R, il va pas les toucher, hein. Je sais pas s'il a touché, je crois pas. Et joue Samira. Ok. Ok, le gaming. Il tue, hein. Ouais, après, faut toucher les sorts. Oh. En vrai, c'est close. Ok, ça tue. Oh, il peut tuer. Là, il peut tuer. Oh là 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 là. Mais le gaming. Le gaming. Mid, on peut choper un catch. On peut choper un petit catch tranquillement. Wow, Merdinger, voyons. On est quand même vachement avancé au top, hein. Après, on est bien. Pour le coup, le Viego. Oh. Ouais, allez, tapez-vous dessus. Tapez. Tapez. Il a son R. Mais il a flash out. Bon, je suis d'accord que Belvette, c'est peut-être pas le meilleur champion pour jouer contre Merdinger. Oh, y a personne qui joue bot alors que. Elle est avancée. Hein. Regarde où elle est qui sauge. Y a personne qui va la punir. Mais c'est trop bien, mais quelle belle vie. Quoi? Mais. Oh frérot. Ton pote il mord dans tes yeux là, non? Ah. Il a pas vu. Top lane, enfin franchement, notre rôle c'est. Ennuyant. Ennuyant. Ok, ça joue le deck. Ah, ça arrive au top. Non, Malphite a pris un kill. Malphite a pris un kill, on avait deux contre Trindov et Ego. Xerath qui va se faire un shot. Oh, le flash. En vrai, la caisseur est pas du flash tout de suite. Ok. De côté, Samira a gagné. Non, mais ça va, gros, tu joues contre un Trindov. Bon, après, le Trindov est un peu spécial. Mais bon, il t'explose la gueule dans tous les cas. Il a pris quoi? IE. Ok, il va partir sur quoi avec ça? Ok, agression, bam, R, bam, on met tout sur le tank, ok, let's go. Ah, Samira, elle est arrivée après, elle s'est fait exploser la gueule. Ok, Kessa qui joue bien, hein. Franchement, ça joue bien. Hein. Oula, qu'est-ce qu'il va, c'est mid là. Oh, il y a eu un petit peu de laisser aller là, un petit peu de roue libre. Donc, il est reparti se taper. En train d'or.
Ouais, là, c'est un carnage. Y'a Belvet ? Non, elle a pas fini ! Dommage. J'ajoute Rinda, je pense qu'il pourra rien faire, hein. Je vous avoue, là... Oh ! Oh ! Oh ! Finis-le ! Il l'a eu ! Non. Non. Ah, dommage, en vrai. Ok, c'est calme, là. Là, il y a un petit blanc dans la game, on est en mode cool. Oh, le Viego. Voilà, reste là, toi. Reste là. Ok, ça va Nash. Oh, ça va Nash. C'est qui va l'avoir? Ok, c'est bien spiké. Tout va bien. Oh non. Wow, par contre, ils se font one shot chacun leur tour. Ok. Par contre, Malphite, c'est un monstre. Comment il tank? Ok. Il y a peut-être un truc là. Ok, les gars. On se tape. On fait un truc. Oh la Yumi. Non, pas la Yumi. Quoi? Qu'est-ce que je viens de voir? Mais la Yumi, elle est toute seule, frérot. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Au moins, il fait pas chier personne. Oh le R. Saute. Ok. Ok. Ça se bat, hein. La flash out. Attends, mais il a pas une roi déchu? Pourtant, il a un coup près. Je pense qu'il pourrait gagner. Hein. Franchement, il peut gagner. Ok. Bon, à deux, c'est toujours mieux, hein. Ok. Ouais, bah après, c'est Kane assassin contre un ADC, quoi. Je veux dire, c'est normal. Tape-moi cette tour. Ok. Franchement, s'il prend pas l'inhib, c'est un troller. Il prend Himmer, c'est bien. Prends l'inhib, frérot, s'il te plaît. Oh, l'inhib! Non, t'es mort dans tous les cas! Regarde-moi bien. Ton boulot, c'est de taper les tours, taper les inhibs. Arrête, t'as tué Himmer. Oui, ok, c'est bien, c'était un bon compromis, ça passe. Mais finis quand même ce putain d'inhibiteur! Oh, les ancêtres, ils sont pas fiers là! Niveau. Attends, quoi, 16 à 13? Mais qu'est-ce qu'elle a fait là, qui ça? Bon, c'est bientôt la fin de la game. 35 minutes quand même. Ok. Ah, mais il a un manteau de la nuit. Oh non, il est tout seul. En vrai, avec Yumi, ça passe, non? Oh, Yumi s'est barré instantanément. En vrai, ils ont bien joué en face, hein. C'est tout. Allez, Trinda, vas-y. Ah non, Trinda, t'abuses. Trinda qui farming simulator et tape même pas jusqu'au bout l'inhib. C'est plutôt sad. On a le Nashor du côté de l'équipe rouge. Est-ce qu'on peut tuer ce Malphite là? Est-ce qu'on peut le tuer? Bah non. Il est trop solide le Malphite. On arrive difficilement à tenir. J'imagine que là c'est fini. Hein. Ça se bagarre, ça se bagarre. Mais bon là c'est compliqué là. Là c'est compliqué là. Pour le coup, ils ont quand même bien joué, c'est quand même des bonnes games, c'est passé quelques dingueries en vrai. Surtout le Trindle, j'ai toujours pas compris ses items et pourquoi il tapait pas les tours en fait. C'est-à-dire que, bon, Malphite faisait beaucoup de décals, il a plutôt bien joué, il a joué pour sa team. Mais Trindle, on profitait pas pour faire des trous dans la map. Bon, j'essaye de trouver des champions plus exotiques, je dirais, avec des gens... Mais bon, je trouve ça vachement fun et je pense que je le referai. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà fait un tour en fer? Moi, perso, non. J'ai été bronze, jamais fer. Allez, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.